d'une manière précise, ici à Goma, particulièrement au Nord Kivu, je m'engage en dehors les 6 mois, j'ai bien dit dans les 6 mois si je suis élu, à rétablir la sécurité dans tout le Nord Kivu. Le combat. Alors, dans les combats, il était environ 6 heures ce jeudi matin lorsqu'un groupe a attaqué une position de l'armée congolaise à Kalaou, à une dizaine de kilomètres de Beni. 45 minutes plus tard, un quartier populaire de Mpe na ba ibansu bazo makama mpo ya bitumba na monyele mwekolo ya biso. Bilenge basi mpe mibali. Ngonga eko kimpo na kokoto na mampinga ya FARDC po ya kobunda. Kobenga na monguna pe kobate la ekolo ya biso. Olingi Kongo? Sunga FARDC mpe ba ibansu makama mpo ya bitumba. La cour militaire de l'Ituri siégée en matière pénale a poursuivi son réquisitoire ce 23 mars 2023 sur les dossiers opposant les ministères publics contre le colonel Arama et consorts. La majorité des prévenus étant des officiers engagés à l'offensive lancée contre le combattant Kodeko Akobu qui se sont distingués en matière de pillage, de meurtre et attaques armées contre la population civile et personnel des agences humanitaires. Évalué à 21 prévenus présentés devant la barre pour les réquisitoires. La cour a examiné les moyens soutenus par les prévenus, les témoins et les pièces versées par les parties. Au cours de cette audience, le ministère public a prononcé son réquisitoire contre ces 21 personnes, dont les officiers et militaires du rang. A reconnu en voie rapide un panneau solaire de l'hôpital de Kobu entre les mains de l'État Kaloumbe, Katembo, pillé par les soldats décédés. En effet, le colonel Tachili Benera a reconnu que le capitaine Etoko avait présenté une bouteille de mercure à Kobu, tandis que le lieutenant Kaloumbe, Katembo, a reconnu que le prévenu colonel Tachili Benera avait ravi un panneau. Signalons que la réplique des avocats des prévenus interviendra le lundi 27 mars 2023. Il est à noter que lors de ce réquisitoire, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Kumbu Ngoma, avait proposé des peines allant de 12 mois à 5 ans aux prévenus. Les portes du centre de capture pour l'octroi de passeports biométriques désormais réouvertes dans le Congo central n'évant après sa fermeture le 5 décembre 2014. Cette décision du gouvernement national par le biais du ministère des Affaires étrangères fait suite aux difficultés que connaissent les Congolais dans la délivrance d'un passeport dans la capitale congolaise, mais également et surtout pour le désengorgement de ce service de capture du ministère national des Affaires étrangères. Au cours de la cérémonie de réouverture de ce centre qui a eu lieu à Matadi ce vendredi 24 mars, siège des institutions en présence du gouverneur du Congo central, Dr. Gibandou, député et membre du gouvernement provincial, ainsi que la délégation du ministère de tutelle, conduite par son secrétaire général, le chef de l'exécutif provincial, Dr. Gibandou, a salué ces décisions qui rentrent dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et appelle les Congolais en général, ceux du Congo central en particulier, de s'octroyer un passeport dans un délai record. Nous sommes définitivement engagés dans la voie de pouvoir reconstruire la province. Et cette reconstruction ne se fait pas en autarcie, ça ne se fait pas en vase clos. Et donc je suis heureux de voir que cette activité a lieu pendant que je suis là.
Je vais inviter donc tous les jeunes, tous ceux qui sont désireux de représenter valablement la province en dehors du pays, à montrer un engouement à venir procéder à la capture pour la délivrance d'un passeport. À cet égard, les premiers mots sont ceux de profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage en cette circonstance, pour son approche de proximité tendant à rendre l'administration proche de ses administrés. Il est important de rappeler à la population, première bénéficiaire des outils de travail mis au service de la province, que ce patrimoine public mérite bien la protection de tous. J'en appelle alors les uns et les autres au sens de responsabilité. Rappelons que le centre de capture des données biométriques dans le Congo central avait déjà existé depuis le 3 novembre 2005, mais qui a connu une fermeture le 5 décembre pour des raisons diverses. Un ouf de soulagement pour les Congolais et une fierté pour la... tonnes de vivres et non-vivres, voilà l'assistance humanitaire du gouvernement central de la RDC en faveur des déplacés de guerre du Nord Kivu, réceptionnée ce jeudi 23 mars 2023 à Goma par le conseil principal du gouverneur en charge des affaires sociales, le général en retraite Sylvain Mayala. Cette assistance constituait des quantités importantes de sacs de farine de maïs, du riz, des haricots, du sucre, du sel, de l'huile végétale et des casseroles a été symboliquement remise par le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Hubert Tetika, qu'accompagnait l'élu de Goma, l'honorable Patrick Mugnomo. Nous avions été mandatés pour apporter cette assistance ici. C'est un petit lot de à peu près 250 tonnes de vivres et non-vivres. Voilà pourquoi nous allons remettre symboliquement au nom du gouvernement de la République, au gouverneur de la province ici représenté, ce que nous avions amené afin que la province puisse procéder à la distribution dans les différents camps, où se trouvent nos compatriotes. Le représentant du gouverneur a remercié le gouvernement central pour ce énième geste louable en faveur de déplacés meurtris par la guerre. Au nom du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, lieutenant général Dima Constant. Je reçois de vos mains l'assistance du gouvernement central destinée aux déplacés de la guerre nous imposée par les Rwandais à travers le M23. Et nous ne pouvons que vous remercier au nom de cette population, la population du Nord Kivu. Ces lots d'assistance sera distribué incessamment aux déplacés de guerre pour répondre tant soit peu à leur souffrance qui n'a que trop duré. Et donc, c'est l'occasion au nom de toute la population du Nord Kivu de remercier le gouvernement et de dire que nous sommes ensemble. Cette guerre qui nous est imposée par l'ennemi, le M23, nous espérons que le gouvernement va continuer à prendre des dispositions
pour qu'enfin la province puisse redorer la paix. Le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima, et le directeur de cabinet Hubert Tekika ont concrétisé cette remise par la signature du PV de réception au gouvernorat du Nord Kivu. Africa Bazaar Center et sa solution moko. Oye na makambo ebele. Soki oza na posa ya koteka, toko somba pièce ya mutuka. Pembeni, eza osika ovandi, to na mboka oyo ovandi, to na peyo ezali voisin. Boye ba pebo kangake. Inscription eza ya ofele. Okofuta ta infronté pe intermédiaire Azati. Africa Bazaar Center est une plateforme Oyo et son koutanissa ba vendeur, ba client pour na ko utiliser yango beta Google pe sala inscription na yo na www.africabazaarcenter.com pe au publier ami na yo après validation ya annonce na yo ba personne Oyo baza intéressé ba ko contacter yo mbala moko za mobimba pe bokoyokan Bona talo pe bokoyokana esika bakolivre produit na yo. Boye ba pe bokangake intermédiaire Azati. Commission pe Azati. Africa Bazaar Center. Esika malamu bona ba homme d'affaires. Oyo eza mayasika.